aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'un peu spécial, puisque ça ne va pas être une ouverture de boîte ou une peinture de figurines ou du jeu lui-même. Je vais vous parler de création de socles. Alors, des socles un peu particuliers. Il faut savoir, je vous invite à voir les autres vidéos, que j'ai créé des socles pour Happy Games Factory. C'était des socles sur la thématique des immortels. C'était une expérience toute nouvelle pour moi, c'est-à-dire ce sont les premiers socles, les premiers objets tout court en fait, qui vont exister dans la boutique de Happy Games créée par mes soins. Donc je suis très content de l'expérience, c'était vraiment agréable à faire et le résultat est vraiment formidable. Ça a du succès en plus, n'est-ce pas vous? Voilà, les socles ont beaucoup de succès, donc ça fait vraiment plaisir. Merci à tous ceux qui les ont achetés. N'hésitez pas à m'envoyer des photos, j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne les figurines peintes par des gens, enfin voilà, les socles. Donc envoyez-moi des photos, vous pouvez les envoyer sur gregoric@gmail.com ou tout simplement me les faire parvenir par Facebook, toujours Gregoric, ou en commentaire sur la chaîne par exemple. Toujours est-il qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ces socles immortels, mais des socles Cicero City. Alors, qu'est-ce que Cicero City déjà? Cicero City, c'est ça. C'est une ville que j'ai créée. C'est un ensemble de décors sur une thématique commune. Donc, Cicero City, c'est une ville pour des jeux post-apo, SF ou quoi. C'est vraiment une ville en ruine. Et du coup, tous les décors que je crée prennent place dans cette ville. Pour Burnout, l'extension d'Eden qui vient juste de sortir, qui se passe donc dans un environnement urbain avec un système de campagne, d'expérience, etc. Avec le groupe de copains, là dans l'Est, on a décidé que nos parties prendraient place dans Cicero City justement. Donc on va avoir une campagne très narrative, on va vraiment raconter les événements, raconter les parties sous forme de texte, sous forme de vidéo, vous allez voir ça. On commence à peu près, je pense, début mi-mars, on va commencer nos parties. Il y a encore des figurines à peindre pour le moment. Et du coup, l'idée m'a été soufflée par Greg et Renaud, vous pouvez voir la vidéo dans laquelle on en parle justement, de créer des socles Cicero City, puisque j'avais créé des socles immortels, je devais être capable de créer des socles pour ma propre ville. Donc voilà, donc là, dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les étapes qui m'ont permis de créer ces socles, sachant que toujours poussé un peu par Renaud. Une fois les socles créés, j'ai créé une trentaine de socles, je crois, trentaine de socles en 30 mm et une dizaine en 40. Et j'en ai sélectionné certains pour créer des moules et faire des tirages. Donc vous allez voir dans cette vidéo aussi les étapes de moulage, sachant que je teste deux façons de mouler différentes, vous verrez laquelle est la mieux, et les étapes de tirage. Voilà, donc je vous invite à regarder la vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Et dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve à la fin pour faire le bilan de ces créations de socles, et bonne vidéo. Donc là, pour la création des socles, je vais fouiller dans ma boîte à rabio et sortir un peu tous les éléments technologiques comme ça qui vont pouvoir servir. J'ai aussi dans ma boîte à rabio les restes des kits qui m'ont servi à fabriquer les bâtiments pour Cicero City. Et là, ce que vous pouvez voir en blanc, en fait, ce sont des plaques de plastiroc. Donc le plastiroc, c'est une sorte de pâte à modeler ou d'argile qui est malléable à l'eau et qui sèche à l'air libre. Une fois sec, c'est très friable, donc je peux le casser vraiment pour faire ce que je veux. J'ai plusieurs types de plaques de plastiroc. J'ai une plaque qui est entièrement lisse, que j'ai préparée exprès pour cette opération. Et j'ai des plaques, en fait, qui sont texturées, donc grâce à des rouleaux qu'on peut trouver notamment chez Green Stuff World. Voilà, je fais ma plaque, j'aplatis ma boule de plastiroc, et ensuite je passe le rouleau dessus qui va imprimer une texture intérieure. Donc là j'ai deux textures qui font un peu SF, qui sont la première un espèce de grillage, et la deuxième c'est plus ambiance labo souterrain, voire vaisseau spatial avec des dalles riftées, et des bouches d'aération, des choses comme ça. Mais pour les socles propres à Cicero City, là je vais plutôt utiliser la plaque lisse, et casser des carreaux, en fait, que je vais ensuite venir graver avec un scalpel, des pointes et surtout un stylo bic. Alors le stylo bic, en fait, va servir à passer dans les rainures pour bien écarter les rainures, afin que les rainures soient bien lisibles. Ensuite, avec des outils beaucoup plus fins, je vais venir dessiner des craquelures, comme ça, le long des plaques. Et ensuite, j'utilise du sable. Donc c'est tout simplement un sable qui vient d'une composition florale. Donc c'est du sable très très fin, et comme ça me permet de boucher les interstices et de fignoler en fait l'aspect du socle.
Voici donc les socles terminés. Donc j'ai fait 7 socles de 40 mm. J'ai pas fait de socle de 50, mais effectivement je vais avoir un socle de 50 à faire si je veux intégrer Brutal à ma bande de mercenaires pour Burnout. Bon, on va voir ça un peu plus tard. Mais là, voilà, donc il y a 4 socles, il y a 7 socles de 40 mm. Alors si je fais du tirage résine, je pense qu'il n'y a que ces 4-là que je tirerai en résine pour les socles de 40. Ces deux-là sont trop trop compliqués, il y a trop d'éléments, je ne les ai pas du tout pensés pour, donc j'ai pas le... Alors je crois qu'ils appellent ça la baignoire, le fait en fait que ce soit un peu pyramidal, hein, que les éléments n'aient pas de contre-dépouille en dessous. Et celui-là, je n'étais pas super inspiré, enfin, voilà, je pense que ça va être ces 4-là, je pense qu'ils sont plus intéressants. Et à côté de ça, du coup, bah, j'avais sorti une poignée de socles en 30 mm. Sans trop les compter, et en fait bah, j'en ai fait 30 du coup, hein, c'est ça. Ici, ouais. 30 socles en 30 mm. Alors pareil, si je fais des tirages, ils n'iront pas tous au tirage, notamment des socles comme celui-ci, où en fait ça utilise une pièce d'une gamme existante, en l'occurrence c'est un décor de Games Workshop. Voilà, ça c'est pas intéressant à faire en tirage, en plus ça ne m'appartient pas, c'est pas moi qui ai fait qui l'ai créé. Par contre, les petits dallages brisés dans ce style ou quoi, ceux-là partiront peut-être ouais, en soclage. Voilà. Si je fais des espèces de dallages, j'en ai un, deux, celui-là il va très bien, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, sur les 12, j'en choisis 10, voilà, je fais un kit de 10, un kit de 4 en 40. Je pense que c'est vraiment pas mal. Donc voilà, donc on peut voir sur les socles, donc certains, comme ici, où j'ai utilisé du coup la lave artificielle Prince Auguste comme base, et j'ai ensuite planté des éléments dedans. Et on voit, je suis quand même revenu avec le sable. Alors le sable que j'utilise, c'est du sable, alors c'est sable très très fin, presque du sel en fait. Et c'est quelque chose qu'on a trouvé en fait dans des plantes de décoration. Donc voilà, messieurs, offrez des fleurs à vos épouses et récupérez le sable de déco. Voilà, c'est nickel pour le soclage. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, il y a divers éléments, vous avez vu, j'ai trié ma boîte à rabiot au début pour voir quels éléments je pouvais utiliser. Donc voilà, et puis ben, ces plaques hein, que j'ai gravées. Voilà, je pense que ça va faire une bonne base pour Burnout. Là, il y a de quoi faire. Voilà, déjà rien qu'en tirant en faisant 2 exemplaires de chaque, je crois que j'ai de quoi tenir pendant très longtemps sur Burnout. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Donc c'est mon interprétation des socles tels qu'on pourrait trouver dans Cicero City, donc pour la campagne Burnout qu'on lance sur Strasbourg. Voilà. Moi je suis content. C'est les choses que j'ai envie de faire, que je cherche. C'est un rendu que je cherche à avoir. J'avoue que j'ai avancé avec seulement en tête ce qui me faisait envie personnellement, le but n'est pas de les commercialiser ou quoi. Et le but est d'avoir quelque chose qui rappelle Cicero City. Donc là, les copains, ils sont bien motivés, ils ont envie que je fasse des tirages, donc je vais tester ça. Je vous avoue que je suis pas super à l'aise. Après avoir vu comment ça se passe chez Happy Games, je vais tenter ça de manière un peu plus propre et tout. Donc on va voir si j'arrive à faire des tirages. Et si je fais des tirages, ben j'organiserai aussi peut-être des tirages au sort ou des trucs comme ça pour que vous aussi vous puissiez gagner vos socles Cicero City. Pour créer le moule, on va placer sur une surface plane, donc là j'ai pris une plaque en métal, les socles, en gardant de l'espace entre chaque socle pour que le silicone puisse couler et être suffisamment solide en fait pour ne pas déformer la forme des socles. Ensuite, je vais faire un coffrage avec des Lego. Et je vais utiliser la pâte à modeler, en fait c'est de la plastiline, afin de faire un joint hermétique tout autour pour que le silicone ne coule pas en dehors du moule. Donc là je complète mon coffrage, j'ai choisi de faire 3 étages, on peut en faire plus, c'est pas forcément nécessaire,
Moins j'ai peur que le moule ne soit pas assez profond et du coup pas assez solide pour éviter la déformation du socle au moment du tirage. Alors, donc j'ai fait la même chose pour les socles de 40 mm. Voici mon coffrage avec, on voit bien, la plastine qui vient faire le renfort hermétique. Une fois que ces étapes sont faites, je vais prendre tout simplement de l'huile végétale, donc là en l'occurrence c'est de l'huile d'olive, que je vais appliquer au pinceau sur les socles et sur la surface de la plaque. Donc là c'est une plaque en bois. Voilà, je teste aussi, hein, les matériaux pendant ce tutoriel. Donc je mets de l'huile, j'en mets surtout, il ne faut pas en mettre trop, parce que si vous en mettez trop, vous allez avoir des gouttes qui vont encore être présentes au moment de couler le silicone, et ces gouttes vont faire des bulles dans votre moulage. Voilà. Je fais bien les parois en Lego aussi, pour pas que ça colle. Et là, on va tester le silicone. Alors le silicone, c'est une pâte en deux composants, une bleue, une blanche, qui est très facile d'utilisation, suffit de mettre la même dose de chaque. Donc là, on va prendre 100 g de chaque. Et ensuite, il faut bien la mélanger, afin d'avoir un rendu homogène. Il faut la mélanger longtemps, hein. Mais ce qu'on peut voir, c'est que déjà, même pendant qu'on est en train de la mélanger, elle garde bien l'empreinte de mes mains. Une fois que le mélange est homogène, donc c'est une sorte de beau bleu, je vais pouvoir l'appliquer. Donc je vais l'enfoncer dans mon coffrage afin qu'il recouvre entièrement mes socles. Alors je dois avouer que déjà à ce moment-là, en fait, en enfonçant avec la pression, je sentais qu'il y avait des endroits qui remontaient quand j'enfonçais et tout, et ça, c'était pas bon signe. Je me suis dit, à mon avis, c'est pas génial, génial. L'avantage du silicone, c'est que ça sèche en 5 minutes. Donc là, je vais retirer le coffrage et la pâte à modeler pour récupérer le moule. Donc là, il y a des socles qui sont restés à l'intérieur du moule. On sait dire qu'ils n'étaient pas solidement fixés. On peut les fixer à la super glue directement. Moi, j'ai choisi la pâte à modeler tout simplement pour que ce soit plus facile à enlever par la suite. Donc là, je retire les socles de l'intérieur du moule. Voilà, celui-ci est un peu compliqué parce qu'il a des éléments en volume. Et je vais retailler en fait dans le moule des éléments qui n'ont pas besoin d'être moulés. Voilà. Je nettoie un peu, parce que bon, il y a encore un petit peu d'huile à l'intérieur. Donc je vais prendre un pinceau sec et bien frotter l'intérieur pour retirer ce qui reste de gras. Et là, on peut voir déjà qu'il y a des petits soucis au niveau du moule. C'est pas formidable. On reviendra dessus en détail par la suite. Voilà. L'empreinte est vraiment très belle, je trouve, hein. On a vraiment la restitution des détails. Par contre, effectivement, vous voyez ces espèces de cassures, là, de marbrure. C'est dû effectivement à la pression, comme je disais, quand j'ai placé les différentes boules de silicone. Elles n'ont pas fait le lien entre elles. Bon, maintenant, on va faire le moule au silicone. Donc, le silicone, je mélange les deux composants, le silicone et le catalyseur, et je verse dans mon moule, doucement, donc là c'est en accéléré, hein, mais ça va très doucement, normalement. Je répartis ensuite bien le silicone à l'intérieur de tout le moule, et je tapote pour faire remonter les bulles à la surface. Et ensuite, il faut attendre 24 heures que le silicone sèche, donc c'est plus long que le silicone. Voilà, une fois le moule sec, pareil, j'enlève le coffrage en Lego et en pâte à modeler. Donc là, j'avais sans doute mal moulé, mal huilé la partie bois, parce que j'ai vraiment du mal à l'extraire. Donc j'ai voulu essayer différentes surfaces d'accroche. Bon, le bois, c'est pas forcément une bonne idée, on dirait. Mais le moule n'est pas abîmé, donc ça va. Je retire les socles de l'intérieur du moule. Voilà, il y en a certains qui sont un peu compliqués, parce que notamment j'en ai un qui a un petit décalage en fait de bord de socle. Et là je vais tester tout de suite à la pâte à modeler l'empreinte pour voir si le rendu du moule est assez détaillé. Voilà, donc on voit bien les détails, le rendu est très intéressant. Là je suis très satisfait. Alors c'est un truc fait vite fait à la pâte à modeler, vous voyez, mais on a déjà bien le rendu, les petits grains, les cassures dans les dalles. Donc le moule a l'air d'être de bonne qualité. On va pouvoir couler la résine à l'intérieur maintenant. Pour la résine, je vais mélanger 100 g de résine. Alors bien faire attention au dosage, hein,
et 50 g de catalyseur. Comme finalement je me suis rendu compte que j'avais fait trop de résine, j'ai ressorti des vieux moules. Donc ça c'était mes premiers tests de moules il y a quelques années. J'en étais pas du tout satisfait parce qu'en fait tout simplement je ne sais pas trop pourquoi. Ils ne sont pas plats. En fait ils sont un peu de travers. Donc quand je coule la résine dedans, elle se répartit pas uniformément dans le moule et elle va couler d'un côté. Donc on remue bien la résine, il faut que le mélange soit très homogène. Et ensuite, on va pouvoir la couler à l'intérieur des socles. Donc là, il faut aller tout doucement, hein. Faut pas en mettre trop, sinon vous débordez et c'est du gâchis. Et en même temps, si vous allez trop vite, vous allez aussi créer des bulles. Alors, j'ai l'impression qu'un moule baignoire, c'est beaucoup plus simple, du coup, puisque les bulles remontent d'elles-mêmes à la surface. Alors, j'aurais peut-être un peu plus peur avec un moule de figurine complète. Voilà. Mais là, oui, les bulles remontent à la surface, donc ça a l'air beaucoup plus facile. Il ne va pas y avoir de bulles dans le socle lui-même. Donc, il faut attendre 24 heures pour que ça sèche. Et là, on les démoule très facilement. Donc, c'est-à-dire qu'au moins, cette étape est bien réalisée. Bon, là, effectivement, j'avais utilisé de la résine transparente. Hein. Je m'étais trompé. Bon, ça arrive. Donc, on ne voit pas trop le rendu. Donc je vais démouler tout ça, et pour avoir une meilleure idée du rendu, je vais sous-coucher les socles, tout simplement. Voici donc les socles sous-couchés, donc on peut avoir une meilleure idée du coup du rendu et du niveau de détail. Voilà. Alors je suis très content parce que vraiment les petits détails se voient bien. Bon, il y a les bords de socle qui ont des trucs bizarres, on va voir si en ponçant on peut rattraper ça. Mais les dalles que j'ai sculptées et gravées sont vraiment bien rendues. Je suis très content du résultat. Donc ça, c'est les socles de 40 qui ont été réalisés avec le moule en silicone. Voilà. Tous les petits détails sont bien retranscrits. Voilà. Donc là, vraiment, le moule en silicone est très très bien. Pour le moule en silicone, donc pour les socles de 30 mm, je suis un peu moins convaincu, hein. On a ce qui est sur le socle lui-même, le dessus de socle rend vraiment très bien, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai des déformations sur les bords de socle, ce qui fait qu'ils ne sont pas vraiment très ronds. Et j'ai des détails un peu bizarres sur certains socles. Donc voilà. Mais dans l'ensemble, ça rend quand même très très bien. Donc bon, pour un essai, c'est pas mal. Et puis, ben, comme je disais, comme c'est de la résine transparente, c'est dur et cassant, c'est difficile à manipuler. Alors qu'avec de la résine classique, qui sera plus tendre, je pourrais la poncer plus facilement, donc rattraper ces bords de socle. Voyez, là, ici, ce petit caca, là, c'est pas du tout prévu, c'est une bulle d'air à l'intérieur du silicone. Mais dans l'ensemble, c'est quand même satisfaisant. Hein. Les éléments sont bien rendus, on retrouve ce que j'ai voulu faire avec mes socles. Donc voici les socles. Alors juste pour que ça passe mieux à la vidéo, j'ai mis un petit coup de peinture vraiment vite fait. C'est-à-dire il y a un brossage de Ultuan Gray sur les plaques. Et ensuite il y a un jus de oxyde rouille de Valero dans les trucs et j'ai repeint les bords en noir. Alors le bilan de cette expérience. Je dois avouer que je ne suis pas satisfait à 100%. Déjà il y a un truc qui me déçoit énormément et même sur les gros socles qui ont été faits avec le silicone, c'est les bords de socle qui sont vraiment irréguliers. Je suis assez déçu, vous voyez, il y a des petits trous, c'est tout irrégulier, je sais pas à quoi c'est dû. Donc ça, c'est très décevant. Voilà. Après, la partie elle-même, je suis hyper content parce qu'on rend bien les dalles, on a bien les crevasses et tout, bon, moins détaillé que ce que j'ai fait en vrai, donc il y a des choses qui sont pas passées, qui étaient peut-être trop fines dans ma gravure. Voilà, mais dans l'ensemble, je suis hyper content. J'aime bien la dalle qui dépasse du socle et tout, là c'est bien rendu. Voilà. Donc dans l'ensemble, je suis plutôt content quand même, hein, même si voilà, bon, les bords de socle c'est vraiment décevant. Donc je vais essayer de trouver une solution pour ça. Tout comme hein, les petits socles qui sont faits donc avec le moule en silicone. Très déçus, hein. Il y en a certains qui sont pas vraiment ronds.
Là, on peut voir, hein, c'est tout bizarre. Il y a des trucs, là, vous voyez, il y a des détails, enfin, des espèces de bulles, en fait, qui sont formées dans le silicone au moment de faire le moule. Et du coup, ça me rajoute des détails ou ça m'en enlève. Voilà, ici, j'ai un espèce de promontoire, en fait, c'est une bulle qu'il y a dans le... Voilà, une espèce de caca, là, tout le long. Voilà, c'est pas du tout ce que j'avais sculpté, donc... Voilà, donc pas du tout convaincu par le moule en silicone. Le moule en silicone, lui, est très très bien. Bon, juste ses bords de socle, faut que je vois. Après, je me suis planté sur la résine aussi. Donc la résine transparente, elle est très dure et cassante. C'est beaucoup plus dur à travailler qu'une résine classique. Donc là, je vais aller racheter de la résine classique. Je referai d'autres tirages. Je ferai une petite vidéo erratum que je rajouterai pour vous montrer ça. Voilà donc pour les socles de Cicero City. J'espère que ces socles vous plaisent, que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura été utile. Peut-être que vous aussi maintenant vous allez faire vos propres socles, alors j'ai bien envie de voir ça, n'hésitez pas à m'envoyer des vidéos, des photos, des... voilà. Voilà, pourquoi est-ce que je tiens autant à ce que ces socles vous plaisent? Simplement parce que ces socles vont être comment dire... le premier produit grégorique qui va exister. Alors je ne vais pas ouvrir de boutique, ils ne vont pas être en vente. En revanche, je vais vous proposer de les gagner de temps en temps en organisant des concours, des tirages au sort ou quoi, voilà, des petits trucs comme ça. Donc c'est pas grand-chose, mais au moins ça va être l'occasion de créer, voilà, une petite activité autour de ça, un petit voilà, puis de vous faire un petit cadeau, quoi, organiser des concours, des trucs, quoi. Ça peut être rigolo. Peut-être qu'à l'avenir, il y en aura d'autres qui rejoindront les objets grégoriques. À voir. En tout cas, voilà, moi ça m'a fait plaisir, je me suis vraiment éclaté à le faire. J'ai pu comparer deux matières à utiliser et constater qu'en voulant aller au moins cher, eh ben, on va au moins bien. Voilà, si on utilise le silicone de coulée, c'est qu'il y a une bonne raison, et j'ai découvert cette raison. Donc voilà, donc le silicone, c'est sûrement très pratique pour faire plein de choses, parce qu'en revanche, la qualité de l'empreinte est impeccable, ça sèche en 5 minutes. C'est facile d'utilisation et tout, donc vraiment c'est très chouette. Par contre, pour faire des moules de ce type là, donc ce qu'on appelle des moules baignoires, faut vraiment du silicone. Voilà. Donc là, là je vais retourner acheter du silicone pour refaire le moule des petits socles 30 mm, puisque je suis très déçu des moules en silicone. Et je vais racheter aussi de la résine, ça je me suis trompé, voilà, j'avais de la résine cristal en stock, donc la résine transparente, ce que j'utilise pour d'autres projets qui n'ont rien à voir. J'ai pas fait gaffe, tu vois, j'avais en tête qu'il me restait de la résine en stock, donc que c'était bon. Et au moment de faire la coulée, oh merde, c'est de la transparente. Bon. Donc je vais aller racheter de la résine classique. Parce qu'en fait, le problème de la résine transparente, c'est qu'elle est très dure et cassante, contrairement à de la résine classique qui va être plus tendre et donc plus facile à limer et à poncer. Donc je vais peut-être pouvoir récupérer comme ça les petites aspérités, les petites irrégularités du socle, juste en ponçant doucement, ce qui là est pas pratique sur ces socles-là. Voilà, pour alors c'est pas vraiment ma première expérience, mais c'est vrai que depuis les socles, disons que j'ai vu vraiment comment ça fonctionnait avec les socles immortels. Bonjour toi. Donc là, ouais, c'est une première création un peu plus développée, un peu plus professionnelle, disons, même s'ils ne sont pas en vente. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci de me suivre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait vraiment plaisir. Si vous mettez un pouce vers le bas, s'il vous plaît, dites en commentaire pourquoi. Moi, ça me permet de m'améliorer. Si vous n'aimez pas la vidéo, c'est qu'il y a quelque chose qui vous a déçu, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je suis en train de chercher comment faire de meilleures vidéos, de meilleurs produits, en fait. Je suis aussi en train de renouveler tout mon parc de prise de vue, donc ce qui est caméra, ce qui est lumière. Cela tend à désirer ma lumière principale, un peu claquée, donc voilà. J'investis dans des micros aussi, je travaille un peu plus le son qu'avant, même si le son c'est vraiment pas ma tasse de thé. Donc voilà, j'essaie de m'améliorer, donc dites-moi ce qui fonctionne, ce qui vous plaît, dites-moi ce qui vous plaît pas. Non, toi tu te frottes pas sur... Non, pas sur les figurines, oh là là, elle aime les figurines, elle. Donc voilà, on va s'arrêter là avant que le chat fasse une catastrophe. Merci beaucoup, n'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter, et voilà. On se retrouve très bientôt, j'ai une autre vidéo là qui va arriver très très vite avec celle-là, pour fêter tout simplement le fait qu'on est 500 sur la chaîne.
et je suis hyper content. Donc merci beaucoup et à très bientôt. Salut !